T'arrives, tu croises des gens qui avec un extincteur qui essayent. T'as le jet d'eau qui s'est mis en route, mais pour éteindre, mais apparemment ça suffit pas. T'as un de tes gars qui est là, qui est brûlé, qui s'écarte, qui a été brûlé. Il dit, ah, ça s'éteint pas, ça s'éteint pas. C'est le produit, ça veut pas. Ça arrête pas, ça c'est comme de l'essence, plus on fout de la flotte, plus ça s'étale. Ouais. Mais qu'est-ce que vous avez Il fait? C'est le bon truc, bande de merde. est tout brûlé, comme ça, et puis il dit, ah. Il y a Claire, elle est dedans. Et puis ça brûle. Alors Zone, toi t'es juste là derrière, aussi. Et vous voyez des grosses flammes. Ben, je vais la Qui sortent chercher. du. Mais je sais. Enfin, on n'a pas un truc fait exprès pour ça? Ah ben si tu. Moi si tu sais que il y a une porte coupe-feu que tu peux fermer. Et que l'air va. Il y a un système qui va évacuer tout l'air. Donc normalement le feu va s'éteindre. Eh bien, je fonce à cette Sauf que porte. si la personne est. S'il y a une personne dedans, elle y reste. Claire aussi va s'éteindre. Ah, écoute, je regarde. Je vois vite fait si j'ai une chance de sauver Claire, sinon la pauvre, tant pis pour elle. Est-ce que je peux évaluer la chance de cette pauvre Claire? Tu peux évaluer les chances de cette pauvre Claire. C'est encore Évalue. avec moi. Encore avec pour la pauvre Claire, elle va croire. Ah, c'est sûr, elle va y rester. J'espère que c'était pas quelqu'un d'importance. Neuf, bon. Et là, quelle est la meilleure façon pour moi d'exfiltrer Claire? Ah non, mais c'est m'exfiltrer. Je sais pas comment tourner une question pour sortir Claire de là. Comment puis-je éviter les ennuis pour Claire, quoi, tu vois, je sais pas. Alors, ouais, ça serait où puis-je obtenir le meilleur avantage pour sauver Claire, dans l'idée de sauver Claire, parce que Ouais, ton je vais essayer objectif quand même. c'est de sauver Claire, donc ton meilleur avantage peut espérer, ça sera potentiellement d'agir vite, éventuellement grâce à l'extincteur que t'as récupéré, si éventuellement Zone quelque sorte essaye de avec l'extincteur de limiter la progression des flammes vers la sortie, pourra peut-être rentrer et sortir avec Claire parce que tu l'entends crier donc Ouais. maintenant que t'es là, tu l'entends crier et ça indique qu'elle est vivante. Et je lance l'extincteur à Zone. Je lui dis, mais couvre-moi. Je vais la sortir de là. Et je fonce pour tenter de la sortir avant de fermer la porte coup de feu. Ok. Je balance de l'extincteur partout. Hein. Tu vas agir sous pression. Et t'as un plus 1. Et tu vas être aidé par aussi. T'as déjà un plus 1. Hein, parce que pour le évaluer, t'offres un plus 1. Ah ouais, pas mal. Et tu as un. Tu peux me sauver, Zone. Bah déjà, ça te fait 7. Ah non, t'as utilisé le plus 1. Non, non, ben, je crois, non. Ça dépend de l'aide de Zone. Donc Zone, Je dois lancer quoi? lien. Bien. C'est là qu'Eleanor est contente d'avoir des liens avec tout le monde. Oh putain. Ça va te sauver les miches, mais c'est pas top, hein. Monsieur. Là, je pense que ouais. Je vois à peu près ce qui va se passer. Je fais ce que je peux, moi je suis pas dans l'action, hein. Si ça peut vous aider, je suis en train de regarder les manœuvres périphériques. Blessure, premier soin. Le lien. Ça me fait 7-9 quoi en fait. Aider sur un succès, choisissez plus 1 ou moins 2. Ben, tu lui offres plus 1. Ah, tu peux lui donner moins 2 si tu Ah, veux. Et on va tu pas lui lances commencer. l'extracteur dans la gueule quand il est dans le feu. On va pas commencer tout de suite les fourberies, on va attendre. Pour l'instant, je t'en appuie ça. Par contre, Le bouton. vu que tu as fait que 7, tu es impliqué dans le résultat de la manœuvre de ce personnage. Comment Tu t'es ça? exposé au danger, Comment tu as ça? appris à payer ou à des représailles. Comment Bon, ça? mais c'est pas un échec. Clairement, tu cours, tu commences à. Alors,
tu vois qu'elle est coincée. Tu arrives à la décoincer. Elle est coincée par un bureau métallique qui lui est tombé sur la jambe. Tu la décoinces. C'est brûlant. Tu l'aides à sortir. Il y a plein de fumée. C'est brûlant. Tu as du mal. Tu suffoques. Il y a... Vous commencez... Tu rejoins zone avec Claire, et là, à ce moment-là, il y a un gros souffle, comme si il y avait peut-être une bonbonne ou un truc qui vient de prendre feu à son tour, et il y a comme une boule de feu presque qui vient vous lécher tous les deux le visage. Vous allez prendre un point de blessure. Vu que c'est du feu et des machins, les armures classiques, hein, enfin gilet pare-balles et autres, ça ne fonctionne pas. Et dans ce cas-là, quand on est blessé, il faut lancer ceci, tous les deux. Donc c'est plus le nombre de dégâts, donc le nombre de dégâts est de 1. À savoir que c'est la seule manœuvre où il faut faire le plus petit chiffre possible. Parfait. C'est parfait pour moi, là. Puisque c'est plus la blessure. Donc, plus tu fais un gros chiffre, pire c'est. Sauvé. Donc, pour vous, il ne se passera rien de plus que le fait que vous avez... que votre horloge de blessure passe à 1. Vous êtes brûlé. Rien de dramatique à soigner. Mais, voilà. Claire est forcément en mauvais état. À peine vous êtes passé que le gars qui était brûlé à l'épaule, il passe et il tape fort sur un bouton et la porte se ferme. Et vous entendez après un bruit de ventilateur, comme s'il y avait quelque chose qui est aspiré comme un aspirateur géant. Et là, il y a un espèce de silence étrange qui se forme dans le club. Toi, tu sais, hélas, Aliénor, que là, tu viens de perdre. Là, tu viens de perdre du fric. Hein. Ouais. Là, le labo, tu sais pas ce qui s'est passé. Il y a quelque chose qui a merdé. Faudra sans doute voir après qui a merdé, quoi, comment. Mais, punaise. Si c'est clair. Pour l'instant, je me laisse aller. Je me laisse aller contre la porte coupe-feu et j'ouvre une des bouteilles à cocktail et j'entends un son. Je suis dit bon, ça aurait pu être pire. Ouais. Il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup de sécurité dans ton truc là. C'est bizarre quand même. Ça prenne feu comme ça. Ah bah c'est sûr qu'on n'a pas une équipe de sécurité officielle, hein. Mais on évite que les gens mettent leur nez là-dedans. Mais il va falloir que je regarde qui a trahi. Bon, si c'est clair, j'aurais fait ça pour rien, c'est dommage. Ouais. Mais non, c'est pas une corpo, ouais, t'as raison, hein, ça reste un petit commerce, comme on dit. Pendant ce temps-là, sur la route de campagne, direction Mont-Royal, vous roulez paisiblement, si l'on veut, rentrer dans Mont-Royal, même si Tiny TV, quand il va dans ton quartier... Ça va, mais tu sais toujours que bon, c'est le bon Royal, c'est comme une grosse pizza aux multiples saveurs et chaque part appartient à quelqu'un. Et là, vous allez dans la part qui est fromage ananas, celle que personne veut, quoi. C'est personne veut la prendre, celle-là. C'est celle qui est hardcore. Il y a peut-être fromage, ananas, piment d'Espelette. Oui, c'est vrai. Une part très intéressante, effectivement. sardine, viande hachée, on arrange. Sardine, vraiment, choix. C'est vraiment celle qui est... Au sel de Guérande. Ah, le piment d'Espelette, là, je sais pas d'où il sort, mais... Voilà. Il est au milieu de cette part, il y a Steel Bolt en train de faire des gros rupteurs avec son véhicule. Il est tard. Tu roules dans les rues déjà, vous passez ce qui est classique, hein, et vous êtes surveillé, vous passez un barrage de sécurité
parce qu'on rentre pas et on sort pas de là comme ça, quoi. C'est un ghetto. Après, ils sont pas trop regardants. Vous avez sans doute en plus des fausses identités passées. Les choses se compliquent quand vous arrivez pas loin de votre objectif. Vous voyez, de toute façon, il y a plein d'endroits où il y a différents bâtiments faits de briques et de brocs qui descendent un peu sous terre, en fait. Hein. C'est une histoire de conduit, etc. Et vous, la température est pas la même, peut-être, aussi. Ben non, tout est gelé, c'est sur de la neige. Hein. Là, tu roules que sur de la neige. Hein. Je suppose quand même que ton véhicule est prévu à cet effet, vu comment... l'endroit où vous vivez, en fait. Et, le problème, c'est que arrivé non loin, tu vois clairement que tu pourras pas atteindre le truc à pied, quoi. En voiture, quoi. D'ailleurs, vous supposez hein, que cette borne, c'est une borne qui avait été installée à une époque révolue, avant que peut-être le lieu soit vraiment un ghetto. C'est des vestiges. Ici, il n'y a rien, quoi. Ici, c'est là où on balance les gens. Bah du coup, j'essaie de trouver une place pas trop voyante. Puis on va continuer à pied. Sûr, hein. Ta voiture va attirer l'attention dans tous les cas. Donc... Oui, bah, j'essaie de l'avoir, j'essaie de mettre un peu derrière un mur, un truc comme ça. Et je laisse un de mes drones, je laisse mon plus petit drone sur la voiture. En surveillance. En surveillance, ouais. Et j'emmène le deuxième avec moi, celui qui vole. Pour l'instant, je le garde un peu caché, genre j'ai une sorte de sac à dos exprès. Je le garde là-dedans pour l'instant. Et Tiny, comment on se comporte ? Oh bah, moi je suis chez moi, hein, donc même si bon, c'est la pizza nana, mais je reste assez serein, je connais les lieux. Je sais qu'on va se faire emmerder de toute façon dans tous les cas. Il est quand même rare de traîner dans ce quartier sans avoir des soucis, donc moi je m'équipe en conséquence. Hein. Bah oui, vous êtes sur un territoire d'un gang, à un moment ou un autre, forcément le gang risque de vous demander. Alors c'est quand ça se passe trop bien que faut se poser des questions, quoi. Je me suis pas fait agresser, c'est pas normal. Tu te poses déjà la question, personne vous a arrêté encore avec votre bagnole, quoi. Tu te poses peut-être déjà la question, vous êtes... Bon, bien sûr, il est 23h, mais quand même, faut pas exagérer. C'est pas un endroit où on se couche avec des poules. Mais faut dire que à ces heures-là, ça caille. Hein. Là, c'est du moins 20 dehors. Hein. Quand vous sortez de la voiture, et surtout à Mont-Royal, la température est très faible. Les gens, ils ont dû se... Vous voyez personne, d'ailleurs. Il n'y a personne dans les rues... façon de parler, mais vous voyez juste les entrées qui ont été barricadées pour empêcher la neige de passer, et encore la plupart sont recouvertes de neige. Vous commencez à marcher dans la neige direction la pente 186, vous la voyez au bout d'un moment, pas très loin, sont 200 mètres devant vous, c'est un gros cube blindé. Avec plein de ces petites cases, il est plus ou moins recouvert de neige et il brille. Il y a ces néons qui indiquent que le truc est toujours en route, alimenté. Bizarrement, c'est pas un truc qu'on a fait péter, mais vous savez que c'est aussi un truc qui est fréquemment utilisé pour des livraisons, etc. En fait, c'est un bien qui sert aussi bien à tous, quoi. Que ce soit aux gangs. Il a peut-être déjà été forcé, mais il est toujours réhabilité, quoi. Ouais, voilà, et puis... Bon, il est tagué de partout, hein. Il est affreux, mais... Puis vous savez que forcer ce genre de truc, ça n'a pas grande utilité. C'est un plus dans le risque, comme vous a dit Enrique Ernesto, plus des chances que ça fasse péter aussi ce qu'il y a dedans, en fait. Donc, c'est le seul endroit où vous voyez qu'il y a un petit groupe de personnes. Il y a quatre bidons avec des flammes qui sortent. Oui, ils doivent se former un cercle où ils peuvent se réchauffer. Vous voyez quatre, cinq personnes. D'ici, avec la neige qui tombe, c'est dur de voir. Hein. Vous avez une espèce de voile neigeux entre vous et eux. Vous voyez, juste derrière eux, derrière ces flammes très primitives, finalement, cette borne
qui brille de ses néons. Que faites-vous ? Moi, je me tourne vers Tainitu, je dis, tu veux qu'on fasse comment ? C'est plutôt toi, là, l'expert dans ce domaine. Bah, on y va, hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? De toute façon, ils vont forcément nous voir à un moment donné, ça va mal se passer. Le but du jeu, c'est qu'on soit un peu plus agressif que c'est tout. Ok. Je vais quand même sortir mon drone. Ouais. Je vais l'envoyer juste un tout petit peu. Je sais qu'il a une vision thermique, voir s'il n'y a que ces gens dans le coin ou si il y a d'autres qui sont cachés. À faire un évaluer. Alors après, je crois qu'avec tes drones... Évaluer, c'est pro. Tes drones, ils ont pas des mots-clés qui peuvent t'aider. Bah, les mots-clés, c'est vision thermique. Ouais, mais voilà. Je regarde les autres. Ah, il est armé, rapide. Il a un senseur thermographique avec zoom. Par contre, il est fragile en contrepartie. Ouais, à peu près, c'est les mots-clés qu'il a. Tu peux... Tu vas pouvoir faire un évaluer si tu veux. Tu peux le faire via... Tu vas pouvoir, grâce au drone. Si tu veux, tu peux le faire avec... avec Sainte. Ok, ça me va bien. Je préfère. Vu que c'est via ton drone. 6. On n'est pas les pros des GS ce soir. On est plutôt bras cassés. Par contre, pourquoi j'ai modifié ton 2 de... Ah oui, non, c'est normal. Ah oui, j'ai fait 4 plus 1. Plus 1. On sera meilleur dans l'action. On sera meilleur dans l'action. Je pense que Rolvin, l'algorithme de GD, il est fucked up. Et encore imaginez quand c'est moi qui vais commencer à lancer les dés. Tu commences à faire voler ton drone. Et t'es serein comme ça. Et tu vises ce petit groupe. Alors effectivement, ce qui te rassure, c'est que tu vas voir qu'ils sont pas que 5. Qu'il y a un autre petit groupe de 3. Qui semble être à couvert. Pas caché en fait. Qui semble être dans une espèce d'entrée. Le tunnel, et qui, pareil, qui doivent rester au fond. Et puis, tu vois, tu as une version thermographique avec zoom. Hein. Tu vois ce petit groupe, tu vois les 3. Et par contre, là, c'est simple, en fait. Ce que tu vois, quand tu vois ces 3 personnes, d'un coup, tu vois une espèce d'éclair rouge comme ça. Et là... Tiny, t'entends littéralement un coup de feu. Il y a quelqu'un qui est en train de tirer sur le drone. Il s'est fait abattre le drone. Non, il s'est pas fait abattre. Hein. Quelqu'un vient de tirer dessus. Mais à ce moment-là, par contre, vous voyez que les mecs autour du feu qui se mettent un peu à couvert, qui commencent à regarder et qui ont tous leurs armes à la main. Qui ont tous sorti leurs flingues, leurs crashers. Et puis, commencent à jeter, à chercher d'où ça vient. Quoi. Ah, ils communiquent même pas entre eux. Super. Ah, tu sais pas en fait. Vous êtes assez éloigné encore. Comme je vous ai dit, il y a du vent, vous savez pas. C'est communique. Après, vous-même, vous savez qu'il y a plein de moyens autres pour communiquer que gueuler comme un bovin. Mais t'as droit de gueuler comme un bovin, mais voilà. On va faire autrement. Hein. Et vu qu'il y a quand même une vision thermique, malgré ton échec, on peut confirmer que les zones de chaleur sont très. Dans ces personnes était très variable. D'accord. Ouais, ça indique qu'il n'y a pas que de la viande, quoi. Ouais, de toute façon, on s'en doutait au vu du grand. Parce que là, pour l'instant, ils vous ont pas vu. Ils sont clairement sur la défensive. Bon, en même temps, ils ont vu, je rappelle, un drone militaire. Parce que c'est ton truc, c'est un drone militaire quand même. Hein. C'est un drone militaire avec une version thermique armée d'une mitraillette sur les survolets, ils ont tiré. Bon, ça c'est ce qu'ils ont. Bah, rebondis là-dessus. Ouvre le feu avec ton drone et amène-les ailleurs. Attention, vous n'avez pas 10 ans pour répondre. Non mais oui, c'est ce que je vais faire. Je commence à tirer avec mon drone, mais sans forcément vers le groupe. Et c'est pas forcément pour les tuer, c'est plus pour les attirer. Et j'envoie le drone à l'opposé de notre position. Il est rapide. Et moi je récupère le cylindre et j'essaye, au moment où ils sont attirés ailleurs, j'essaye d'aller poser le cylindre dans le merdier là, dans la boîte. Ok. Ton objectif, c'est les tromper avec ton drone.
Oui. D'accord. Pour que Tiny soit libéré de la zone, c'est ça ? Il regarde pas la boîte, quoi. Ouais, voilà. Très bien. Tu vas me faire un agir sous pression, mon cher Steelbolt. Ça, c'était grand, du coup. Je suis meilleur, mais on verra. Oh, 11. Ben, ça marche. Ça marche bien. Le drone vole et s'en va. Les mecs, peut-être pensant que... Enfin, les personnes... Peut-être pensant que ton drone rejoint son propriétaire dans un premier temps, le suivent. Et ça, vu que c'est une réussite, ça laisse facilement le temps à Tiny rapidement de déposer votre colis et de repartir. Appelant que je vois Tiny qui fonce, moi je cours vers la voiture, je commence à la démarrer et j'attends Tiny prête à partir, quoi. Et le drone. Alors, vous commencez à courir. Tu commences à courir vers la voiture. En rappelant que t'as une grosse cylindrée. Oui. Quand t'es arrivé, ça fait du bruit aussi. Et j'ai la mauvaise nouvelle de te dire que... En fait, écoute, ton drone, quand tu cours, ton mini drone, là, il commence à t'indiquer qu'il y a du monde. Il y a du monde, genre, oh, beaucoup. Et bah, tu peux voir, de toute façon, à travers ses yeux. Oui. C'est dur de voir s'il y a du monde parce que je suppose tu l'as laissé à l'intérieur. Oui, je l'ai laissé dedans. Ouais. Ah non, je l'ai posé dessus. Il est tout petit, c'est un insecte en fait. D'accord. Je l'ai posé dessus. Donc tu vois, tu regardes et tu vois que y a deux, il y a une femme et un homme et la femme est très costaud. Elle a deux bras cybernétiques et elle est en train d'essayer d'ouvrir ta portière en fait. Okay. Elle est deux mains comme ça. Tiny, toi, tu cours derrière. T'es à 2 mètres derrière Seedbolt. Hein. Ok, ça marche. Et je vois pas ça du coup. Ah non, ça tu vois pas parce que c'est le drone. Vous entendez encore quelques coups de feu derrière, des mecs qui essayent de jouer au ball-trap avec le drone. Faut pas tomber, cassons-nous. Et de toute façon, plus ça, plus vous entendez des bruits. Hein. Donc vous savez que ça va. De toute façon, les coups de feu attirent les coups de feu ici. Tu sais que voilà, que l'activité attire l'activité, que c'était trop calme, ça commence à tirer. Il y en a, ils vont se demander pourquoi ça tire. Ceux qui savent pas, ils vont vouloir y aller. D'autres, ceux qui savent, vont appeler leurs copains. Bref. Il y en a qui vont jouer dans la fête, qui n'ont rien demandé. Il y en a qui vont juste profiter. Il y a des dégénérés qui vont juste arriver parce que ça tire. Et d'autres qui vont aller se planquer. Du coup, bah, moi, à distance, j'ai mon interface neurale. Je démarre la voiture. Et je commence à faire des gros coups d'accélérateur pour essayer de les intimider, quoi. Faire un peu crisser les pneus. Les personnes qui essaient d'ouvrir mon truc. Fais des donuts. Essaye de leur faire peur. Ouais. Vas-y, tu vas me faire un agir sous pression. Tu vas me faire un agir sous pression. Ok. Du coup, si je suis connecté par le biais de ma voiture, je peux rajouter la puissance de mon véhicule à manger. C'est 2. Si c'est possible. Ouais, alors c'est ma manœuvre. C'est au volant en fait. Ah, d'accord, c'est quand tu es connecté, c'est au volant. D'accord, j'avais pas compris. Et bah, du coup. L'interface, t'es connecté, t'es au volant. Oh, ok, j'avais pas compris. Et bah alors je fais agir sous pression. Et bah encore 11. J'ai la chance de tous ceux qui l'ont pas eu jusqu'à maintenant. Voilà, vous niquez toute la chance. Sur le coup, il est un peu. C'est un peu. Sans doute qu'effectivement, il s'attendait pas à ça. Ils reculent un peu surpris. Ils sont un peu surpris. Ils s'éloignent de ta voiture. Ils vous voient de loin courir, en plus, arriver. Dans le doute, ils ne savent pas trop ce qui se passe. Tu vois qu'ils préfèrent, sans doute qu'ils n'étaient pas très courageux. Ils ont juste essayé de braquer la voiture qui s'était garée là au mauvais endroit. Et ils se barrent. Ils demandent par leur reste. Vous pouvez regagner votre voiture. Du coup, j'ouvre le coffre automatiquement et j'attends que le drone se mette à l'intérieur. Le drone qui vole, et après on démarre et on part à fond. Là. Ton drone se met. Tu vois que. Ben, il nécessitera quelques réparations. Oui, je me doute. Ouais.
Il a un peu un... Il a eu du plomb dans l'aile, comme il dit. Tu choisis l'une de ses caractéristiques. Et tant qu'il n'est pas réparé, il sera... cette caractéristique ne fonctionnera pas. Je réfléchis. Ta armée, ta... Rapide. Thermique. Rapide. Ou zoom, ouais. Ouais, c'est son... Comment ? Sa propulsion qui a merdé, il est plus aussi rapide qu'avant. Il n'est pas rapide. Il n'est pas lent. Mais... Voilà, il n'est plus aussi rapide. Ok, regarde ça, moi je lui dis, bon par contre, si tu veux pas faire connaissance avec ceux qui ont fait ça, faudrait qu'on se casse. Oui, là maintenant que tout le monde est rentré dans la voiture, je fonce là. Et tant pis pour la discrétion, c'est trop tard de toute façon. Vous partez dans la neige. Le colis est libre. Finalement, Tiny, c'est une sortie au Mont-Royal plutôt calme. Finalement, tu te dis que ça s'est plutôt bien passé. C'est plutôt serein, finalement. On a tiré que sur votre drone et on a juste essayé de vous piquer votre bagnole. C'est pas le pire qui peut vous arriver, finalement. Tu te dis, dans ce genre de quartier, il peut vous arriver bien pire. C'est un mardi. On a pu arriver, on aurait retrouvé 4 pneus. C'est l'inverse de ce qui se passe actuellement. Habituellement, on vole les pneus. Pas dans cette zone. On vole la voiture et on laisse les pneus. Ouais, faut y mettre des skis. Des chenilles. Il laisse des pneus avec des aglots dessus. Ils savent pas pourquoi. Ils se sont juste dit, pas. Juste pour la blague, on laisse sur les pneus, on laisse un aglo. Vous partez. Et d'ailleurs, tu remarques que dans la panique, en fait, pas dans la panique, mais dans le truc, t'avais reçu un message. Et tu as deux photos, deux noms et prénoms. Tu vois que c'est d'Ernesto. Il avait envoyé sans doute même avant que tu aies mis le colis. Il y a Luc Renaud et Michel Joffre. Dis Luc Renaud pour le premier. Ouais, t'as leurs deux photos. T'as un numéro qui doit être leur numéro d'employé au sein de la corpo, mais apparemment c'est marqué détaché sécurité car c'est deux chauffeurs. Tu vois clairement leur aspect, c'est comme toi, c'est des interfacés, c'est-à-dire qu'ils doivent se connecter à la voiture. Et ce qui te chagrine, c'est le message d'Ernesto. Il te dit pas du genre ah, c'est l'un des deux, je suis pas sûr. Il dit ouais, j'ai les deux chauffeurs du convoi. Je vois. On va aller à Zone. Bon, de toute façon, j'envoie toutes les infos que j'ai reçues à Zone et à Alienor. Et après, une fois que j'ai envoyé ce message, c'était plus important. Après, j'envoie à Ernesto que le boulot est bien fait, bien fini. Ah, merci. Et t'envoie. Ah, merci. Toujours un plaisir de faire affaire avec toi. C'est pas donc les traficotes. Et il dit j'espère que t'as eu aucun problème. Allez, à bientôt. Mais tu vois, il met le à bientôt, l'air de dire même si t'en as eu, je veux pas savoir quoi. C'est pas trop son problème. Vous vouliez aller où Est-ce que vous avez le message déjà des deux autres? Je pense que ça, c'était pendant que vous étiez en train de vous battre avec les flammes. Je sais plus où vous vouliez aller. Vous vouliez prendre le métro pour aller. On voulait aller. Vas-y. Ouais, pour aller à la security car. À security car. Essayer de. Est-ce que vous y allez? Est-ce que vous attendez les autres pour y aller ensemble? Comment faites-vous? Sachant qu'en plus vous venez de recevoir les infos, c'est-à-dire les deux photos et les deux chauffeurs. Bah, c'est parfait. Avec ça, on va pouvoir télécharger leur emploi du temps. Est-ce qu'on attend les autres pour être un peu plus sécure ou on y va à deux? On sera peut-être plus discret à deux. Moins sécurisé. Ouais. Tu vois, peut-être je suis en train de passer des coups de fil pour demander à des gars de venir réparer au Black et tout. Je te réponds entre deux coups de fil. Bah, comme tu veux, on y va. T'inquiète, ils nous rejoindront. Au pire, on leur donne l'adresse. Ok. Bah, allons-y. Je peux m'absenter 5 minutes? Ben, nous y sommes. Vous êtes
Vous y allez tous, alors ? Je sais plus ce qu'il en était. Bah nous, on y va déjà à deux avec Aliénor, et puis si les autres nous rejoignent, on leur dit qu'on va là-bas, quoi. Les autres, vous êtes pas obligés, hein, attention. Vous êtes très libre, vous pouvez y aller, qu'une personne peut y aller, finalement. C'est à vous de voir. Qu'est-ce que t'en penses, hein ? Bah, est-ce que ça vaut vraiment le coup ? On reste dans le secteur, mais... On y va que si vraiment ça sent la merde. Après, je vous rappelle que vous pouvez déclarer les contacts aussi. Oui, vous avez des possibilités. Pas obligé. Peut-être que ouais, ça vaut peut-être le coup qu'on aille vers là-bas, mais qu'on juste on surveille voir les allées et venues, voir si. Ouais, on peut. Puis on tourne autour, on fait une sorte de surveillance autour du complexe. Ouais. Puis bah, si jamais ça sent vraiment le roussi, bah, ils seront bien contents de nous avoir pour aller les chercher. D'accord, donc vous êtes là, et un peu en feedback. Vous arrivez, finalement ça te fait penser presque à la société Lafayette Char, tu sais. C'est, t'as une espèce de grande entrée, une grosse bouche comme ça, rectangulaire, qui rentre dans le sol comme ça, une route qui descend. Le logo et la façade sont presque. Bah, donnent le ton. C'est marqué Sécurité Corp en lettres de néon blanc. Et. C'est Sécurité Car, pardon. Et juste en dessous, en petit, même malgré le, en néon, c'est quand même écrit Baïa Valen. Ok. La couleur à donner. C'est. À première vue, juste comme ça, même si l'entrée te fait penser au parking de Lafayette Sharp. Tu vois aussi la porte d'accueil également, hein, une petite porte d'accueil qui doit mener à un accueil. Rien que le fait que c'est marqué By Avalon, tu te dis, enfin, c'est pas pour rien que c'est marqué ça. Ça indique clairement que ça appartient à une corpo. Et ce qui veut dire que sécurité car doit pas avoir la même sécurité justement que Lafayette. Chat. On n'est pas dans le même moyen. On n'est pas dans une archéologie quand même. Mais on est un peu plus méfiant que ça doit pas. Ça doit être un peu plus que ce que tu as vu deux caméras à l'entrée. Quoi. Ok. Bah, du coup, je pense que on va prendre le temps de d'analyser un peu la situation. Est-ce que toi, tu captes quelque chose des six zones ? Ah. Si tu veux les informations type les trajets, etc., tu sais, hein, faudra être à l'intérieur. Mais voilà, je pensais comment entrer. Ouais, sur comment après, entrer, vous pouvez regarder le secteur, effectivement, évaluer. Ça dépend, tu veux la jouer comment ? Est-ce que tu veux qu'on. Est-ce que tu penses qu'on fait. Est-ce que tu veux utiliser ton bagou ? Nous faire entrer par l'accueil ou plutôt nous infiltrer discrètement par. Moi, je pensais aller frontalement au comptoir et dire qu'on a, on a détecté des, on a été envoyé parce qu'on a détecté des failles dans leur réseau, quoi. Toi, tu donnes des termes techniques, tu me soutiens, tu vois. Ouais. Oh, pas de souci. Bah, je ressemble à un technicien, de toute façon, moi. Ça se voit sur ma tête. Bah moi, là, du coup, on l'a pas fait, mais c'était avant que ça prenne feu. Mais je précisais que je venais en une tenue plus neutre, quoi. Que... Ouais. De toute façon, on passera pas là, je veux dire, on n'a pas le talent pour franchir une sécurité comme ça. Non, bah allons-y, je compte. Vous pouvez me faire un évaluer, hein, vous êtes en train Oui. Bah, je pense quand même qu'on regarde un peu avant de rentrer, on n'est pas fou. Vous pouvez faire. L'un de vous peut faire évaluer, et si l'autre observe en même temps, en précisant comment, de plus, ce qui peut apporter de plus, peut faire intervenir son lien. Est-ce que. Après, le lien, on peut le faire après. C'est-à-dire que du genre. Celui qui évalue lance, et si ça passe pas, l'autre personne peut réfléchir à l'aide pour. Alors, comme tu veux, c'est moi qui évalue. C'est avec quoi évaluer ? Pro. Ouais, donc c'est toi. Donc jusqu'ici, ça n'a pas volé haut les pros de votre fixeur. Ouais, d'accord, mais moi, ça peut pas être mieux. Est-ce que moi, je peux peut-être. Est-ce que moi je peux peut-être me connecter au réseau de surveillance pour voir le tour du bâtiment ? C'est ce que je te suggérais, mon bon. Ah, je veux dire pour l'aide, ça, tu vois ? Ah, c'est on est au-delà de l'aide.
Ah. Tu peux le faire, mais ce serait au-delà de l'aide. Eh bien, si tu veux, je peux faire ça. Mais c'est toi qui m'aides, mais comment ? Tu peux essayer, tu vois des caméras. Tu sais qu'à cette portée, tu devrais pouvoir essayer les pirater. Bah écoute, je vais essayer de faire ça. Très bien. De ton côté, Aliénor, tu évalues de manière plus simple. Toujours. Magnifique. C'est magnifique. Alors là, on va commencer à... Voilà. Alors, Aliénor, tu es en train de regarder le secteur et tu regardes le lieu. Très bien. De ton côté, cher Zone, tu vas arriver, effectivement. Tu vas essayer de te connecter. Donc, tu arrives à entrer dans la matrice, t'es à court portée, tu arrives à avoir un signal. C'est assez rudimentaire. Tu vois ce qui semble être la caméra en manière virtuelle. Hein, et tu vois Loki qui essaye de s'infiltrer dedans. Et donc tu vas... Je pense que déjà faire ça, là, s'authentifier, non ? Ouais. Jusqu'ici, tout va bien. Donc tu vois la caméra de manière virtuelle. C'est, les bâtiments n'est pas là, tu vois. Tu vois des points lumineux, quoi. Tu reconnais la caméra. Tu rentres dedans, le système est pas trop sécurisé. Et une fois que tu es dedans, en fait, c'est vite. Tu vois que c'est un circuit fermé. Tu peux avoir accès à la sécurité du bâtiment. Qu'est-ce que tu veux y faire ? Tu veux manipuler le système ? Bah en fait, je voudrais... est-ce qu'il y a moyen de... je voudrais justement créer une vraie panne. Comme on va y aller en disant il y a une panne quelque part. Je voudrais créer une vraie panne quelque part. Pas quelque chose d'énorme, mais une petite panne dans un de leurs systèmes qui pourrait justifier quand on arrive. Tu veux manipuler le système. Ouais. Avec manipuler le système, tu peux activer ou désactiver. Tu peux aussi dérégler. J'essaie de retrouver ce que tu m'as envoyé, mais j'arrive plus à le trouver. C'est des routines. Ça fait partie... En fait, tu pourrais dérégler. Donc, c'est-à-dire que tu pourrais carrément dérégler les caméras. Ah oui, ça y est, j'ai... Tu y as accès aussi. Tu peux les déclencher, les couper, une alarme physique, activer ou désactiver une porte de contrôle électroniquement. Tu peux faire manipuler déjà, et je te dirai ce que tu peux faire et à quoi tu as accès. Ok. Donc, ouais, c'est toujours ça. 9. Tu as une retenue, en sachant que. Ouais. Après, souviens-toi. C'est plus ce que tu as comme programme. Tu as des programmes que tu peux mettre en route ou non. Voilà. En tout cas, là, tu manipules la sécurité. Et c'est un 7. Tu as une retenue. Donc, tu peux faire. Tu peux activer, désactiver les caméras. Tu peux surveiller avec les caméras. Tu peux enregistrer. Tu peux aller dérégler. Ou boucler un réseau de caméras. Tu peux aussi faire en sorte que ça tourne en boucle et c'est pour pas être vu. Tu peux te faire tourner un enregistrement. Là, tu vois qu'il y a un système de caméra. Tu vois qu'il y a un système aussi au niveau de l'entrée. Ça doit être la barrière qui permet d'entrer pour les véhicules. Hein, et qu'un sorte de système d'authentification. Peut-être pour les véhicules. Ok. Et puis donc ça c'est une autre routine. Bah là je vois sur les routines activer et désactiver une porte contrôlée automatiquement. Donc comme je veux créer une petite panne, j'aimerais bien mettre une panne sur une porte contrôlée automatiquement en fait. La mettre en alarme ou quelque chose comme ça pour. Tu bloques la barrière d'entrée, ça serait ça ? Ouais. Tu bloques ça.
Tu vas juste voir que, vu que tu es dans le système de sécurité, tu vas quand même remarquer que tu as une alarme, pas une alarme, mais on va dire un signal d'alerte qui s'est mis en route aussi. Alors, c'est pas c'est un signal d'alerte au sein du système. Ouais. C'est-à-dire que c'est pas matriciel. C'est le tu vois clairement en fait que tu vois dans les données qu'on voit le signal, les systèmes autour de toi, vu que tu es dans un système de sécurité, tu vois clairement que le système de sécurité, l'un des paramètres est en train d'indiquer un problème. Ok, bah du coup, je me déconnecte et je dis à Aliénor, bon, j'ai déclenché une panne dans leur... J'ai déclenché une panne informatique, mais on n'a pas beaucoup de temps. Il y a eu une alerte qui s'est déclenchée là, juste avant que je me déconnecte. Ah, t'es sûr que c'est pas toi en fait? Ouais, mais en tout cas, il va se passer quelque chose. Donc moi, comme je sais pas exactement quoi, c'est ça. Je me dis qu'on n'a pas beaucoup de temps. On se dépêche. Je suis suspect. On s'avance vers l'entrée. Ouais, toi, tu t'es un peu baladé dans la rue. T'as rien vu. Puis vous rentrez dans l'accueil, je suppose. Ouais, c'est ça. Ouais. Il y a une jeune femme, costume, cravate, costume noir, chemise blanche, cravate noire. Bonjour, bienvenue à. Vous sentez que ces premières paroles sont presque un automatisme dès que quelqu'un passe la porte. Puis elle s'arrête, elle finit pas sa phrase quand elle vous voit. Vous êtes ? Bonjour, nous sommes une équipe envoyée par Avalon Network Security. Visiblement, vous avez des problèmes sur votre réseau matriciel. Nous sommes envoyés pour voir de quoi il s'agit. Il y a un problème, Je n'ai appelé personne. Ah, c'est une alarme automatique. Il y a un problème sur votre portail automatique, apparemment. On m'envoie pour le régler. Si c'est nous, ça ne va pas être très important. Vous savez, ça va prendre 5 minutes. C'est bon, ils sont envoyés de là-haut. Vous imaginez bien. Tu vas nous faire un petit baratiné. C'est maintenant qu'il faut sortir les 6. Mais ça veut pas là aujourd'hui, donc. Si foire, tu pourras faire éventuellement un lien en disant tu l'aides en sortant des choses techniques. Ah, tu peux m'aider en sortant des choses techniques, ça ferait 10. Ouais, ce serait mieux que 9. Bien sûr, bah, je commence à lui en mettre plein la tête de jargon d'informaticien. Voilà, il y a un sous-système qui a eu un bug. Comprenez, il faut que je rentre dans la. Enfin bref. J'ai pas de jargon d'informaticien, donc vous voyez l'idée. En général, ils sont auditeurs, c'est vrai. Lance le plus, Léon. Ouais, est-ce que vous avez essayé de l'éteindre et de le rallumer? Bref. Est-ce qu'il est bien branché? Est-ce que les deux picots sont dans les deux trous? Est-ce que vous avez ouvert la fenêtre? Oh la vache! Le technicien fibre, quoi. Oh la vache! Peut-être j'aurais préféré faire 11 après en fait. Je suis pas tu sûr. Vois que, tu vois qu'elle se préparait en fait, sans doute. Elle se préparait, tu voyais la mettre la main peut-être sur la tempe pour passer un appel. Et puis tu commences à la saouler avec tes histoires techniques. Oui, bah, c'est bon. Allez-y. J'ai autre chose à faire moi. Allez-y, régler ce problème. Ok. Vous pouvez m'indiquer juste où je dois me brancher. Allez, il va te montrer derrière. Allez. Que ça marche, j'y vais. Je vais reconnaître. Oui, vous serez loin de la clientèle. Ouais. Allez dans le bureau de maintenance. D'accord. Tu vois juste. Marche. Vous voyez, tu aperçois juste. T'as un petit bonus. Et elle n'a pas fait attention. Mais que juste derrière elle, il y a un pupitre qui doit lier à la sécurité aussi, au système de sécurité. Et tu revois en fait le truc, c'est que t'as un bouton qui clignote rouge. Ah, pas un bouton, mais un signal. Ouais. En allant vers le bureau,
J'envoie un petit message à Aliénor. Surtout qu'elle regarde pas le terminal. Mais bon, elle doit pas être toute seule dans le bâtiment, mais bon, au moins celle-là. Je suis pas rentré moi avec Zone. Ah, je pensais te laisser baratiner devant. Tu sais comment. Comme tu veux. Ah non, ça m'est égal, oui. Putain. Tu restes avec elle à baratiner. Ouais, bah oui, c'est sur son site. Si je reçois ça. C'est quoi, c'est du virtuel, c'est bouton rouge qui clignote ou... Oui. Oui, c'est sur un écran. Merde, j'aurais bien mis un coup de vernis à ongles, mais bon, tant pis. Non, c'est... Il y a pas de petite loupiote qu'il faut changer, hein. Ça doit être un clignotement rouge sur un écran. D'ailleurs, quand il te dit que c'est, il y a sans doute un truc écrit en plus, signalant ce que c'est. Mais Zone, il a pas vu. Il est passé vite fait. Comme ça. En tout cas, Zone, tu arrives. Toi, un serveur. Hein. Ok, moi j'ai pas là d'écran avec l'alarme. Si je suis dans le. Non, mais après, de là, t'as accès à tout. Ok, bah, je me connecte. Tu te connectes. Allez. Alors, malgré tout, t'as pas les codes. Ah oui. Donc, là, tu te connectes en direct, mais t'as pas les codes. Donc, tu fais une porte d'entrée. Vas-y. Il y a tellement de jets, c'est obligé que ça foire à un moment donné. Ouah, hein ouais. Pas là. Hein. Non, là, tu rentres comme... Comme dans comme du si verre. On avait ouvert la porte. Ouais, le truc est... Toi, t'arrives, tu vois ton avatar Loki. Moi, tu te vois les mains de Loki, etc. Virtuellement, c'est assez primitif. Il y a des choses où il y a une architecture matricielle. Là, tu vois que t'es vraiment dans le truc sous-fifre. Hein. Ça reste corpo, okay. Ça reste sous-fifre. Hein. Donc l'entrée, tu rentres et puis t'as l'impression d'être un peu dans une pièce nue. T'as vaguement le logo qui passe un peu partout, le logo d'Avalon et le logo de Security Car. Mais à part ça, tu vois que t'es quand même dans un truc où... qui est fait pour de la maintenance, ouais. Et pas prévu pour être plus joli que ça, et voilà. Ok. Du coup, j'hésite. Est-ce que je vois l'alarme que je peux... Alors, tu vois de là que tu pourrais avoir accès à, sans doute, à un nœud de sécurité. Est-ce que j'hésite entre prendre les infos et me barrer, ou essayer d'arrêter l'alarme pour avoir plus de temps, tu vois? Tu vois que d'ici, tu pourras vraiment avoir accès à la totalité du système de sécurité du bâtiment. Tu penses qu'il doit avoir aussi un nœud avec les services du bâtiment. C'est-à-dire tout ce qui marche, c'est pratiquement tout, mais qui n'est pas lié à la sécurité. Mmh. Et tu dois avoir sans doute possibilité d'avoir... accès aux bases de données. Mais d'où tu es, en fait, c'est simple. Comme je t'ai dit, l'archéologie, faut t'imaginer la matrice, quand toi t'y rentres, c'est comme dans un jeu vidéo virtuel, finalement. Ouais. Comme en VR, tu vois. Donc toi, t'es dans une pièce, t'es dans la pièce d'entrée. D'ouvert, tu vois un tube qui mène vers une autre pièce où... t'as pas besoin de ça, enfin tu le sais de nature, il y a un espèce de bâtiment en 3D qui tourne. Tu penses que par là tu auras accès à un nœud du bâtiment. T'as un autre où t'as un bouclier qui tourne, clairement ça doit être la sécurité du bâtiment. Et par contre t'as un tube où tu vois des barreaux rouges vifs avec dessus un gros cadenas, et tu sais les données c'est par là, mais normalement quelqu'un qui fait de la maintenance, même si c'est lié, que tu y as accès, c'est pas ouvert, quoi. Ok,
Donc les données que j'aurais besoin, les emplois du temps et tout ça, c'est derrière les barreaux. Ok. La maintenance, les autres, tu y as accès. Après, le risque, c'est, tu sais toujours, hein, si tu vas manipuler autre chose, c'est le risque aussi de te faire détecter. Bien sûr. Bah, du coup, je vais commencer par essayer d'éteindre l'alarme, de dire, voir ce que c'est, de dire tout va bien, c'est réglé, voilà, histoire de gagner du temps. Tu retournes à notre sécurité. Ouais. Et tu vas devoir manipuler de nouveau le système de sécurité. Bon. Ah. 7. Ça marche, hein, 7. Tu as. Moi, j'ai tu une retenue. Donc, je peux activer une routine. Donc, cette routine, j'ai tellement de trucs ouverts. Tu peux désactiver un système de sécurité. Ah, ça, voilà, je désactive. C'est d'avoir ce que c'est, le truc qui s'est mis en route. Je regarde ce que c'est et je le désactive, quoi. Tu vois qu'il y a eu un signal d'envoyé pour pas une urgence en fait, mais ça doit être plus une que la surveillance a considéré que qu'il y avait une personne suspecte dans non loin du bâtiment ou au sein du bâtiment. Ok, le 5, d'accord. Et... je vois. Et le signal qui est envoyé, tu le désactives, mais tu sais que, en fait, pas grand chose à désactiver. Surtout maintenant, tu sais que t'es pris par le temps, parce que tu te doutes que là, il y a un service de sécurité qui doit être en route. Les gens qui arrivent, quoi. Ouais, ils sont pas dans l'urgence, hein, on est bien d'accord, mais qui viennent voir si tout va bien. Ok. Bah, une fois que ça c'est fait, j'essaye de forcer le gros cadenas, hein, pour essayer d'aller chercher ce dont on a besoin. Et donc c'est... Est-ce que c'est toujours manipuler un système ? Ou c'est accéder à un système ? Bon, de toute façon c'est le même. C'est une connexion, hein. Ça revient même. C'est une connexion. Allez. Très bien. Donc c'est s'authentifier ? Ouais. Ah, c'est pas pareil, hein. 7-9, tu choisis une option. Bon, je pense que je vais déclencher une alerte. D'accord. Tu déclenches une alerte ? C'est ouais. Ça ? Effectivement, tu brises le cadenas. Tu prends une alerte, tu prends. direct. Bah, tu brises le cadenas. Et au moment où tu brises le cadenas, tu vois que toute la pièce devient rouge. Là, par contre. Tu sais, hein, que la petite loupiote rouge est en train de signaler aux forces qui arrivent que va falloir aller beaucoup plus qu'il y a vraiment que c'est pas juste quelqu'un de suspect et il va falloir agir au plus vite. Eh ben j'essaye de récupérer ce dont on a besoin. Est-ce que je peux envoyer un message en même temps ou il faut que je me focus sur un seul truc? Bah, j'ai pas vu plusieurs loupiades s'allumer sur l'écran où il y en avait qu'une. Alors, en fait, toi de ton côté, c'est... Non, toi de ton côté, il y a rien de particulier. Dans la tête, je me dis, j'espère qu'ils sont dans le coin, les deux autres, il va falloir dégager vite. J'essaye de parler à la... Tu peux, alors oui, oui, masquant l'écran. Tu peux envoyer un message rapide, si c'est rapide. Hein. J'envoie un message groupé. Préparez-vous, va falloir dégager vite. En espérant que les autres soient pas trop loin. Je peux pas savoir où ils sont. Mais... On va arriver, le portail sera fermé, parce qu'il aura pas déverrouillé. Ah non, c'est sûr, j'ai pas déverrouillé. Mais... On arrête de faire des donuts et on commence à se rapprocher. Et après, du coup, il faut que je manipule, c'est ça ? Pour trouver ce que je veux ? Ouais. Allez. Et c'est là où il faut faire des gros chiffres. Ouais. Allez, c'est maintenant. What ? J'ai un truc, quoi. Ouais, je sais pas si t'as des programmes qui peuvent t'aider. Hein. C'est pas pareil. Et j'arrive pas trop à comprendre. Parce que les programmes, j'ai défense, protection d'identité, disjoncteur de sécurité. Disjoncteur de sécurité, c'était quoi ? Défense, ça donne plus 2 au pare-feu. Un truc d'avant, toi. Disjoncteur de sécurité. C'est si je me fais attaquer par c'est pour te protéger contre les glaces noires. Protection d'identité, j'ai plus 2 en furtivité. Ça te fait plus 2 en furtivité. Ouais, mais tu vois, c'est assez nébuleux pour moi, tout ça.
En fait, la furtivité, tu vois, c'est là où c'est pour ça que j'ai pas compris. Je pensais que t'avais compris, mais tu vois, là, t'as un programme qui te permet d'être furtif. Tu l'utilises, tu te prends en plus une trace. Tu t'en fous puisque si t'as deux en furtivité, enfin, il te reste encore un point de vie en fait. Ah, j'ai quatre en furtivité, j'aurais peut-être pu faire ça. Ouais. Ok. Et les traces, si les traces dépassent, annulent, suppriment tous tes points de furtivité, c'est là où. Là par contre, on t'a découvert quoi. Ok. Oh, mais c'est pas grave, j'apprends, je le saurai pour la prochaine fois. Pour l'instant. Ouais, là c'est un petit truc. Pour l'instant, c'est bien comme ça. Et donc là, tu as quand même une retenue. Tu vas pouvoir tirer sur quelque chose, enfin, pendant qu'on va se barrer. Tu as une retenue. Eh bien, du coup... Sur une base de données. Sécurité... Base de données. Rechercher des données de valeur. Donc tu vas faire un 2d6 plus d'esprit. Esprit. Non, c'est pas ça. Ça, c'est si tu cherches des... Je vois rien d'autre aussi. Ouais, c'est ça. Vas-y. J'ai fait 8. Je vois que 10 plus. Est-ce qu'il y a une autre manœuvre? Non. Non, mais c'est pas ça. En fait, c'est effectuer une recherche. Ouais, faut que tu fasses. De toute façon, c'est esprit quand même. Là, c'est si tu voulais la piller en fait. Ouais, là, c'est ça. C'est juste si. Si je faisais 10 plus, je trouvais un truc explosif. Mais là, c'est juste normal, quoi. Donc là, il faut que tu... En fait, ce que tu dois faire, c'est... effectuer une recherche. Bah, c'est pareil, c'est le même jet. Donc, sur 7-9, gagne une info. Le MC répondra à ta question, c'est tout. Ben, je réponds à ta question. Normalement, tu es censé me poser la question avant, mais... Ah, pardon. Et tu gagnes une info, en plus. Eh ben, je voudrais avoir... est-ce que j'ai... Pardon, hein, c'est la première fois que je fais tout ça, alors... Est-ce que j'ai l'optimisation de la recherche avec? Ah oui, là, oui, t'es dans la matrice. Hein. D'accord, donc j'ai deux infos. Alors, attends. Non, tu as deux questions. Oui, deux questions. Mais ton info, c'est un truc que tu pourras utiliser plus tard, faut que tu te le notes. L'info, hein. Faut que tu la notes, en fait. Tu pourras dire, en fouillant dans Security Car, j'ai trouvé ça, et maintenant je peux faire tel truc. D'accord. Faut que tu donnes une info, c'est une info. Une info, c'est pas une information. C'est vraiment quelque chose de c'est une munition palpable, si tu veux. Tu pourras la transformer lors de la phase d'action en quelque chose de concret. Tu pourras dire, tiens, lors de... j'ai appris telle ou telle chose. Qui pourra m'aider? Je sais pas. J'arrive pas à... Une première mission. En fait, au moment T... du genre, il y a une voiture qui. Je dis une bêtise, mais par exemple, à un moment, la voiture s'enfuit avec votre cible. Ouais. Toi, tu dis, ouais, mais j'ai une info. Moi, je sais où est. J'ai chopé l'info à Security Car. Je sais où ils vont aller. Mmh. Je suis pas démuni, en fait. Grâce à en utilisant l'info, je sais que. Ils vont à tel endroit en cas de problème. Ou alors, ça peut être... je sais... j'ai l'info que je sais qu'il y a... Je sais rien. Je suis à bord de la voiture et je sais qu'il y a un... Il y a tel truc qui permet de déclencher l'airbag. Tu t'inventes ce que tu veux, en fait. Mais c'est une info. La différence avec un matos, c'est que le matos, ça va être un objet. Ouais, mais ce que je veux dire, c'est que, tu vois, à la base, moi, je rentrais pour avoir l'emploi du temps des deux mecs. Est-ce que je peux avoir cette info? Alors, je peux dire où pourrais-je trouver... Oui. En fait, le problème, c'est que là, t'as deux trucs qui s'appellent information, mais là, ce que tu cherches, ça va être la réponse aux questions dans le move. Mais en plus, t'as gagné une info qui sera un truc que tu pourras utiliser plus tard, que t'es pas obligé de décider maintenant. D'accord. Mais là, oui, tes trucs... je comprends, ça y est. C'est en plus. D'accord. T'as l'info, une supplémentaire. T'as l'info, tu l'as. Ok. Et tu vas avoir en plus deux questions à me poser sur. D'accord, ok, ça y est, oui, je vois. Ok.
Et ben. Et la question, ça peut être ben, le trajet. Ouais. Quel est le trajet qu'ils font? Eh ben, je voudrais savoir. Il y a autre chose que vous avez besoin de savoir, en plus du trajet. Quelle voiture elle est? Ben, c'était pas vraiment ça que je pensais. C'est quoi la question, autrement, de toute façon? La question, c'est où pourrais-je trouver Sharin? À quel point est sécurisé? Qui et où quoi ah, est ça, relié tu... à... Ouais, ça, tu pourras avoir. Pour qui ou pourquoi est le plus précieux et quelle relation unit machin et bidule. Bah déjà, où pourrais-je les trouver, je pense. Et à quel point il est sécurisé. C'est toujours compliqué ces questions-là dans les PVTA. Moi, c'est... tu veux... Tu... Alors, à quel point elle est sécurisée tu sais qu'effectivement, il y aura... Donc là, c'est clair. Tu as toute la sécurité du convoi. C'est un grand classique, apparemment. Normalement, rien d'inhabituel. De base, il y a deux chauffeurs. Parce qu'il y a deux voitures. Il y a une voiture où il est censé transporter deux gardes du corps qui sont armés. C'est deux agents corporaux. Il y a une autre voiture où il y aura elle, il y a la personne, plus deux agents corporaux et le chauffeur. Je vais considérer que où pourrais-je la trouver, c'est... tu veux le trajet, c'est ça? C'est ça. Alors, je vais être sympa, je vais dire où et quand, parce qu'il y a le quand. Vous vous rendez compte que vous avez moins de temps que prévu puisque apparemment le départ est prévu tôt demain matin, peut-être pour éviter l'heure de pointe. En tout cas, le trajet entre l'arcologie et ce qu'on appelle, ce qu'on surnomme l'astroport, prévu à 7h du matin. Et tu as le trajet. Après le trajet, c'est plein de données. Non, avec le trajet, ouais. Je regardais. Ouais, bon, tu as le trajet. Après, si vous vouliez, avec le trajet, voir s'il y a des lieux d'embuscade, s'il y a d'autres choses, etc., il faudrait qu'après, vous fassiez un évalué dessus. En fait. Ok. Mais t'as le trajet prévu. Bah, une fois que j'ai tout ça, je me déconnecte et je me casse vite. Il se passe en fait plusieurs choses alors que tu te déconnectes. Tu m'étonnes. Bizarrement, tu te déconnectes. De ton côté, Aliénor, c'est bien, mais c'est bien. Aliénor, de ton côté, tu vois que femme d'accueil. Ah, attendez une seconde, oui. Tu vois que quand elle fait ça, ouais, c'est ses yeux qui passent au bleu. Elle est en communication. Elle doit avoir un com interne. Et elle est en train de recevoir un appel. Et je peux pas la sommer ou un truc là, c'est okay. Juste sur le moment. Quand elle dit, une seconde, oui. Alors là, tu vas peut-être pouvoir la sonner. Hein. C'est, je te dis juste, là, tu vois qu'elle reçoit un appel. Les deux autres dehors en voiture, vous approchez en voiture, et à ce moment-là, vous voyez dans la neige un 4x4 noir avec écrit sur le côté Avalon qui se gare, et vous voyez trois hommes en sortir armés de fusils d'assaut. Et on arrête là pour ce soir.